Sur Imara Media et je suis Morgane Ackermann. Yes, et tout de suite on va faire une interview 100% vraie avec Morgane qui ne nous cachera rien. Des déclarations, des surprises, ça se passe tout de suite. À toutes. Salut à tous les internautes d'ImaraMedia.com. Nous sommes en plein Paris, tout près de la Tour Eiffel et nous avons rendu visite à Morgane. Regardez bien son visage, Morgane Ackermann, qui nous a séduit, hein, qui nous a fait aussi beaucoup rigoler dans... Qui veut épouser mon fils. Saison 2, exactement. Donc, peut-être que vous allez vous poser des questions, on parle de télé-réalité, est-ce que c'est bien le sujet ? C'est bien le sujet. Et on a justement choisi une personnalité atypique dans ce milieu très vaste de la télé-réalité. Justement, toi Morgane, en gros, t'as été un petit peu mon coup de cœur parce que merci. La télé-réalité, toi, en fait, tu t'en fous. Exactement. moi, c'est arrivé par hasard. C'est ma petite sœur qui a envoyé une... Raconte-moi tout. Je te raconte tout. Je m'étais séparé de ma copine la veille et ma petite sœur a trouvé très drôle d'envoyer une photo de ma mère et de moi à la société qui... Pas la société au casting, je sais pas quoi. Et donc voilà. Et elle a mis mon portable. Et moi, j'ai été rappelé. Et quand j'ai entendu « Oui, Morgane », on m'a parlé en plus comme un gosse de 5 ans. « Tu as envoyé ta photo et ta maman pour une émission ?» J'ai dit oui, enfin je comprenais rien en fait. Je croyais que c'était une copine qui faisait une blague et j'ai dit allô. Alors je lui dis allô, il me dit non, et non, c'est Charlotte. Ah bon, Charlotte, très bien, bon. Et du coup je raccroche, puis ma sœur est sortie en trombe. Moi j'étais sur le point de partir, mais elle me dit c'est moi. Bon. Et du coup bah, j'ai écouté, elle m'a dit voilà, est-ce que tu voudrais faire cette émission? Je lui dis bah pourquoi pas, ça peut être. Amusant, en fait je savais pas trop sur le coup. J'ai appelé ma mère qui me dit quoi, bon attends je reviens l'après-midi, on va regarder ça ensemble. Ta mère elle rigole pas trop hein. Non elle est quand même très très dure, non, c'est vrai. Et du coup on a regardé les 3 premiers épisodes de la première série, première saison. Première saison, oui. Yes. Et là ma mère a dit non moi, je fais pas ça, donc elle a coupé, voilà. Et s'en est suivi une discussion avec ma sœur, elles sont engueulées toutes les deux, enfin un truc terrible entre filles. Puis à la fin ma mère et ma sœur a quand même convaincu ma mère d'aller au casting. Donc nous sommes allés au casting et puis là l'équipe de pro, tout le monde était très sympa, voilà. Moi comme je dis, je travaille plus vraiment depuis 2 ans et demi, donc j'avais du temps, pourquoi pas. Morgane, c'est ce profil de assez classique de l'homme musicien virtuose, pianiste, mm-hmm, de renommée quand même internationale parce que t'as beaucoup voyagé, partout, ouais, voilà. Est-ce que ta participation à cette émission t'a porté préjudice ou t'a apporté des choses bénéfiques par rapport à cette carrière qui n'a rien à voir en réalité? J'ai eu quelques problèmes avec quelques copains qui l'ont très mal vécu, notamment comme je fais quelques conférences de temps en temps, qui ont dit que c'était une honte qu'un type comme moi fasse une émission comme ça, etc. Bon, en même temps, c'est ma vie, ils ont la leur. Tu le vis comment, toi, ça? Moi, je le vis très bien, mais moi, je suis ravi, les gens sont très sympas. Ça, c'est le passé, c'était l'année dernière. Ouais, bien sûr. Maintenant, nous sommes en 2013, mmh, et là, surprise, surprise, tu prépares quelque chose, mmh, tu produis toi-même une émission, mmh, qui va montrer un peu ta famille et toi, en fait. Là, ça sera plus que ta maman, ça sera ta famille et toi. Et ma mère m'a dit, on produit. Okay. Donc moi, j'avais prévu de partir un peu au soleil, me détendre. Elle m'a dit, tu remets en route la production, c'est reparti. Donc j'ai repris des équipes, on a tourné déjà le premier épisode. Donc c'est un dîner à la maison, un peu gothique, un peu baroque, un peu particulier. C'est à la famille Adams, un peu. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu à la fois notre façon de vivre. C'est vrai qu'on est un peu quand même assez marginaux. Et c'est, encore une fois, on en rajoute un peu de caricature. Petit peu. Voilà, on caricature le truc. On a un majordome qui est un peu Frankenstein, genre famille Adams. J'ai envie de voir ça. Voilà, on a une. Bon, là, la première invitée, donc, c'était Cindy Lopez. Yes. Qui est une candidate de vérité, qui est vraiment. On a eu du bol parce qu'elle est vachement intelligente comme fille. Elle est, c'est Secret Story. Secret Story, mais on n'est pas tombé. On n'a pas eu vraiment le. Non, c'est le haut du panier. Donc, ça s'est super bien passé avec elle. Et on consacre 52 minutes à l'actualité du guest, à sa vie. Et bon, comme c'est pour ma chaîne étudiante, il y a aussi une partie un petit peu culturelle, on met quelques petits mots qu'on explique, on donne les définitions de certains mots, on a des chroniques, on raconte le parcours un peu scolaire aussi de l'invité, alors d'accord, quel qu'il soit. Donc voilà, la prochaine invitée, ça va être drôle parce que c'est Geneviève de Fontenay, donc on va quand même lui demander son parcours scolaire. Voilà, ça reste très bon enfant, on veut surtout pas agresser les gens, on n'est pas dans l'esprit, je sais pas, des émissions hyper caustiques. Nous on est cool,
Voilà, on est à table, le majordome apporte les plats, enfin, ça se passe très bien, ça se passe dans cette pièce dans laquelle nous sommes. D'accord. Voilà, qui a été transformée en plateau de tournage. Alors, du coup, je vais te taquiner un peu, parce que moi, il y a une phrase que je ne pourrais jamais oublier de ta maman, et je pense qu'on a dû te harceler avec, c'est qu'elle aime, elle préfère le caviar au pâté de foie en boîte. Exactement. Du coup, là, c'est un peu la mise en boîte de la famille Ackermann. C'est ça, tout à fait. On se moque de nous, mais on l'a toujours dit, en fait, tu vois, les différentes interviews que j'ai eues, on accepte largement de se moquer de nous, au même titre qu'on se moque des autres, mais les jeux, tout le monde peut se moquer de nous. On est là pour ça, lâchez-vous. Ça ne changera pas ce qu'on est, en fait. Yes. Je m'habille comme ça depuis que j'ai 15 ans, je ne vais pas me mettre à être en jogging, ou voilà, parce que, si, enfin, quand je fais un footing, je cours pas en trois pièces, mais, tu vois, mais bon, voilà, mais sinon, ça ne change rien pour nous. Quoi. Alors, quand on parle de télé-réalité en général, ça fait débat, etc. Souvent, on dit, c'est très superficiel, c'est truqué, c'est faux. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a de plus vrai dans ton expérience télé-réalité? Bah, on est nous. Ma mère et moi, ma mère est quand même hyper exigeante. Hein. Vous n'avez pas joué un peu la comédie? Non, c'est-à-dire, ils ont augmenté sa personnalité en disant vraiment, tu passes rien, tu vas, t'es horrible. Bon, voilà, elle s'est amusée en réalité. Elle s'est amusée, je dirais même encore plus que moi. Elle adore et elle est même contente, qu'on la reconnaisse dans la rue, elle est contente, elle est ravie de ça. Bon. Moi, j'avoue que ça m'indiffère totalement, mais ma mère, elle aime bien. Elle est assez show-off, en fait. Comme de celle qui est plus mondaine de la famille. Donc, Oui, on a pu apercevoir. Ouais, elle est très mondaine, elle aime bien les soirées. Cet aspect de sa personnalité. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est vous en réalité. Enfin, en réalité, c'est nous. Bah, quand tu dis vous, tu parles de ta mère et toi. Oui, voilà, tous les deux. C'est-à-dire que ma façon de m'habiller, ma façon d'être, me comporter, c'est vrai que j'ai toujours été civique. Avec les femmes, j'essaie quand même toujours d'être éduquée. Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Non, je ne suis pas le genre macho, c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir des côtés autres. Mais. Et au moins, c'est une autre histoire, ça sera en off. Voilà, mais d'une manière générale, voilà, bon, je suis moi, non. Et après, ils ont coupé quelques trucs, ils m'ont fait rajouter. Je crois qu'il y a des phrases, je suis pas sûr de les avoir dites, mais bon, pourquoi pas. D'accord. Je n'ai pas fait attention, en fait. Mais voilà, non, tout s'est très bien passé. On a une équipe. Ils nous ont même pas. Enfin, la prod, tout le monde me disait, ils vont te mentir. Nous, ils nous ont dit clairement. D'accord. Tu seras un peu le petit castré, ta mère, c'est voilà, je m'émancipe à la fin, puis voilà, j'essaie de me battre contre ma mère. Ils vous ont fait un peu un pitch en fonction de vos personnalités. Ouais, c'est ça, c'est tout. D'accord. Et après, ils te mettent dans. C'est pour ça que c'est pas scénarisé, c'est-à-dire, ils te mettent dans des situations et tu réagis en fonction de ce que t'es. Donc nous, on a réagi vraiment en fonction de ce qu'on était. Bien sûr, t'entends, ma mère, ils m'ont dit, rajoute-en, parce que ça reste de la télé, et c'est la télé-réalité. Donc il y a une partie réelle, une partie télé. Et voilà, mais dans cette émission, je me reconnais, ouais, je me reconnais bien, et ma mère aussi, je la reconnais. D'accord. Le but de cette émission, c'était surtout pour toi de trouver l'amour. Exactement. As-tu trouvé l'amour aujourd'hui, en 2013, un an après? Qu'en est-il? J'ai entendu parler de vide intersidéral. Oui, mais même il s'est agrandi depuis, le vide. non, ouais, c'est le vide complet. Non, j'ai encore... J'ai rencontré personne. Bon, écoute, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je vais me charger de ça. D'accord. Très bien. Tu fais entremetteuse. Parce que je fais un peu, pas entremetteuse, mais agence matrimoniale. Très bien. Classe, bon, bah, écoute, voilà. Je passerai quelques petits mots pour toi et on organisera tout ça. Mais pas de problème. D'accord. Avec plaisir. Je suis ouvert. Et qu'est-ce qui, selon toi, serait le plus faux dans la télé-réalité? Le plus faux dans la télé-réalité, bah, c'est de pouvoir tomber amoureux comme ça en une demi-seconde. Quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas ce genre de garçon. Déjà, en plus, Karen, la fille avec qui je passe du temps, oui, ça s'est transformé plus en une amitié parce qu'elle est vraiment très sympa comme fille. Donc voilà, on n'avait pas spécialement d'attirance l'un pour l'autre. Voilà, on a joué le jeu un peu et puis c'est tout. Quoi. Moi, ce côté, me connaissant, je suis quand même un cérébral à la base. Je suis pas le genre de type, oh, c'est la fille de ma vie en claquant des doigts. Voilà, donc là, tu as un speed dating, tu vois les filles qu'à certains moments, c'était. Voilà, c'est là où vraiment ça, il a fallu. Mais dans les différentes rencontres, il y a une interaction de toute façon entre les filles et toi. Ça, est-ce que. Comme tu es justement dans un environnement où il faut tomber amoureux, où on attend ça de toi, est-ce que ça, du coup, ça remet pas en cause un aspect vrai, justement? Bah, si, complètement, puisque en fait, t'es pas libre. Je me souviens d'une scène où on était dans un hôtel super sympa, en plus, dans le 18e, etc. On parle et puis il laisse tourner la caméra. Mais nous, on parle, on commence à se connaître. Je l'avais vu une fois. Tu parles de Karen, là. De part de Karen. Donc, c'est avec elle j'ai passé beaucoup de temps, en fait, parce qu'ils ont tout de suite orienté l'histoire sur Karen. Voilà. Et donc, on parle. Et puis la journaliste, au bout d'un moment, Karen, elle dit, mais ça fait 3 heures que vous parlez. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Elle me dit, bon, on est pressé, on a faim. Tu l'embrasses, tu l'aimes et on se barre. Ben voilà, ça se passe comme ça. Voilà, donc voilà, bon, c'est tout. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps pour développer une relation. En termes de visibilité, donc au final, ça a été positif pour toi? Ça t'a apporté des choses, cette participation à l'émission? Mais écoute, ni plus ni moins. Non, c'est vrai, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai pas.
Je sais pas, j'étais dans un magazine sur internet, la Dandy Magazine. Voilà, bon, ils m'ont pris en photo, mais je crois que, en fait, j'ai pas vraiment cherché non plus avant. J'ai fait aucune paparazzane, à ce qu'ils appellent ces trucs-là, j'ai pas fait. J'ai pas cherché à avoir de Tu te laisses un peu sponsor. emporter par le vent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin de ça. Moi, j'étais clair avant l'émission. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Je sais qu'il y a beaucoup les prétendantes, elles attendaient beaucoup de cette émission pour gérer de l'argent, etc. Bon, y en a, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à prendre. Ça reste des télé-réalités. On est quand même les personnages sont assez interchangeables. Faut quand même garder ça à l'esprit. Je veux dire, la première, c'était en 2001. On est en 2013. Voilà. J'ai juste écrit un bouquin de 50 pages sur la télé-réalité parce que ça m'intéressait, mais d'un point de vue sociétal. Je sais pas encore trop discuté avec des éditeurs, je sais même pas si j'ai envie de le sortir. C'était juste. D'accord, Voilà. tu racontes un peu de secret là-dedans ou pas? C'est pas des secrets de tournage, c'est plus une analyse réelle de qu'est-ce que la télé-réalité. C'est-à-dire, D'accord. voilà. En fait, c'est très prétentieux, mais je l'ai fait exprès, c'est provocateur. J'ai intitulé le livre Je suis intelligent et j'ai fait une télé-réalité. Ah, bah pas mal parce que Voilà. justement. Pour montrer voilà, pourquoi je l'ai faite, voilà, j'ai expliqué tout, j'explique tout en détail, comment j'y suis arrivé. Exactement, parce que du coup tu t'essayes de casser un peu le cliché, bon, t'es personnage de télé-réalité, Force. ciboulot un peu vide. Voilà. Moi j'aimerais bien savoir, donc toi Morgane, en dehors de ce milieu télé-réalité, showbiz, paillettes, strass, etc., est-ce que tu aurais un rêve fou, dingue, quelque chose que t'aimerais réaliser, mais que t'as pas encore réalisé, hormis le fait que tu cherches une femme, parce que ça je m'en charge, D'accord, voilà. tu m'as dit. Voilà. Pas de problème. Non, ça c'est bon, ce côté-là c'est réglé. Super. Mais est-ce que t'as un rêve comme ça, quelque chose de dingue En fait, il y a un truc, mais bon, je vais en parler. Allez, C'est tellement abstrait. dis-moi tout. J'adorerais. Moi, j'ai pas une spécialité, mais j'aime bien j'ai toujours beaucoup aimé la géopolitique D'accord. et l'anthropologie, etc. Bon, voilà. Et j'adorerais mettre en place, pas forcément enfin, faire toute la structure, pas forcément le vivre, hein, un coup d'État. Ah. C'est un Mais truc qui c'est... m'aurait toujours Alors plu. franchement, je suis épatée. Je suis très épatée. Tu adorerais vivre un coup d'État. Le vivre et surtout mettre tout en place avant. L'opérer avant. Voilà, toute la D'accord. Mais structure c'est du coup d'État. carrément, c'est une bombe ça que tu nous dis là. C'est un truc qui m'a. Mais depuis petit, hein, ça m'a D'accord. toujours passionné. Et moi, c'est l'organisation qui me plairait, pas forcément le mettre en place, mais l'organisation. D'accord. Donc une fois de plus, on est vraiment dans le personnage complètement Désolé. déluré, puisque entre la musique, la géopolitique et la télé-réalité, bon ben cherchez l'erreur, cherchez le Voilà. lien. Mais en tout cas, c'est quand même, ça reste un plaisir d'échanger avec toi. Te C'est vrai remercie, qu'on c'est papote réciproque. beaucoup. Et puis, est-ce que tu auras un message justement pour ces jeunes qui veulent passer des castings pour la télé-réalité, mais qui n'osent pas ou qui en sont fous, qui en sont dingues? Toi, de par ton De expérience, par qu'est-ce que tu mon. pourrais leur dire? Je leur dis, il y a deux possibilités. Je leur dirais, faites quelque chose. Ayez une spécificité. Faites quand même, pas forcément des études, on s'en fout, mais ayez quelque chose qui vous passionne avant. Et pourquoi pas si vous avez l'opportunité d'en faire. Mais ne pensez pas qu'avec ça, vous allez faire quelque chose. Je veux dire, une personne qui n'est rien, qui rentre là-dedans, qui fait une télé-réalité, reste rien. Si vous n'avez. Très beau message. Oui, non, mais si vous n'avez rien. Ok, vous allez essayer de développer des trucs, vous allez faire quoi? Si je regarde même moi. Concrètement, quand je fais qui veut épouser mon fils, bon bah je suis un personnage lambda qui cherche l'amour, c'est tout. Je suis pas un acteur, je suis pas un chanteur, je suis pas un artiste à proprement parler. Et eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de notoriété, c'est La de télé trucs. n'apporte pas forcément le succès. Bah non, surtout pas, surtout ces émissions-là. Donc je leur dis non, essayez d'abord de voir vraiment ce que vous voulez faire, et si vous avez une opportunité et que vous pouvez la gérer grâce à ces émissions, ok, mais aller faire des émissions de télé-réalité pour en faire, je vois pas l'intérêt. Bienvenue dans le dîner Ackerman. Là, je m'attends à un dîner un peu louche, un peu bizarre, avec des gens étranges. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Si tu devais définir cette soirée en trois mots, tu dirais quoi? J'irais élégant. Comme on dit chez moi, on mange, on s'encule. Érudit. Quel est votre philosophe préféré? Sartre. Oui, vous pouvez me citer comme Non. ça, quelque chose? Armand. Merci à vous.